Dieu. Si vous êtes là au milieu de nous et que vous voulez témoigner Dieu pour ce qu'il a fait dans votre famille ou la prière que vous avez élevée devant Dieu, Dieu a exaucé. Voilà, si vous voulez témoigner Dieu, nous vous accordons ce temps afin de lever notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Na pisi nzambe merci pamba te nzamba za bolingo. Na zo pisi merci na o nyo sotu asali kati na ngai. Eza na semaine ya semaine passée na lala ki na sena pongi. Na yoki ba oyi sangai ba pisi ngai. Matthieu 7:7 na méditer sur Matthieu 7:7. La telle machine a vu Matthieu 7:7, du moment où il vit Matthieu 7:7, et l'eau n'est pas là. Où est-ce que c'est là? Et pour que ça me laisse, où est-ce que c'est là? Où est-ce que c'est là? Où est-ce que frappe? Bah, où fume elle là? Bon, na benga epi basa na nzambe na tunai bango na ndenge na zueli message oyo na kuku kusambe na ndenge ni basunga inga ndenga kusambe la kapesa kita na ngana nzambe na kote kima bondeli na sambeli. Tant on a sambeli et puis na na zui ba réponse na biloko o na sengaki na zui réponse nzambe a pesingai yango sikoyo na zo tato na lisusu nzambe pamate ezana eloko moko te tant nzambe a révélera biso likambu ezala kazarte parce que amona ka ebi ke loko moko ezoya ala musiyo mona na ya bitelema parce que bitumbeza ezoya liboso telema bitumbeza yi bakati kala ya kobondela na butu na bondeli na vers 3h Chloé a telemi abandi ko crier makasi abandi ko ganga abandi ko ganga na zui na kangiye tant na kangiye alale na beto a sauté na zui na kangiye na bloqué tant na bloqué na zui prière ya autorité na bandi ko sambela na sambeli na zui ba prière ya autorité ti 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 na prié et sili a se calmé. Après la MCI, tant que si prié, la vie maman a mon inim. A MCI, à mon acte deux araignées, à mon inim, à mon inim, à mon inim, à mon kien, à mon kien, à yaki, à ma télé. Si qu'on a prié, tant qu'on a prié, à lui, mamie, quand il a commencé à prier, ba régné wana, ba kini. Et si lui, na tongo, ba ke, à maman, à l'éotique, à la classe. Ndaye obete la mama na yedi solo nyo sotu makambo mwona ki alubi tangu mamia bandiko sambe la barenye wana bakini yango na pesi nzambe merci pamba teto za bana na ye yalubi a pesi biso kuvwa ndenge na mate ya ndenge le kaka wa teto za na kati ya desert wana lao ya le scorpion e le serpent me nzambe a pesi biso autorite ya kotambo la likolo ya babiloko wana. Il y a mon azoua qui n'a pas autorité, wana n'a télémila qui l'eau qu'on a mis surtout et qui n'a qui nous sika la combo na esu la pessinza me merci la nuance au roi azoussan. Nous acclamons le Seigneur. Que tu sois loué. Vous savez, la prière d'autorité, c'est une prière très efficace. Quand nous élevons la voix, comme nous disons toujours, c'est une force qui sort de vous et qui dérange l'ennemi Satan et les démons. Parce que Dieu nous a donné cette autorité et nous sommes capables de déranger l'ennemi. C'est très important. Je ne sais pas s'il y a encore une autre personne qui veut témoigner ou chanter, n'est-ce pas? Vous voulez chanter, célébrer votre Dieu. Si vous êtes au milieu de nous et que vous voulez chanter, s'il n'y en a pas, alors nous tous, nous allons nous lever et nous allons chanter ensemble. Nous sommes debout. Nous sommes tous debout, nous allons chanter. Je disais que nous sommes debout et nous allons chanter. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa na biso. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa.
Yesu azali yawa na biso ya solo. Alleluia. Alleluia. Oh,
Seigneur. Moni frère, pas toi, mais t'as un monde. Nous avons un instrument. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Ok, nous allons prendre nos Bibles. Merci Jésus. Et il rentre
choses doivent se passer dans son cœur. Jean, chapitre 1, à partir du verset 25. Jean, chapitre 1, je commence à partir du verset 25. La Bible dit ceci. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un, que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il lui dit, voici l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Mais c'est enfin qu'il soit manifesté en Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ses témoignages, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser d'eau, m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là. C'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et je vis et je rendis témoignage qu'il est le Fils des dieux. 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau des dieux. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez leur dit-il et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Amen. Voilà. Nous allons expérimenter ce morceau d'écriture tout au long de ce dimanche. Nous allons parler sur un thème très important.
Le thème, c'est au fait, voici et voilà l'agneau. Nous bénissons l'homme de Dieu, le frère Roger, mon bimbo, qui est déjà rentré, qui n'est pas au milieu de nous, qui est en Espagne pour le moment, pour l'œuvre du Seigneur. Et vous avez aussi remarqué l'absence de notre frère Amiral, c'est parce qu'il y a son enfant qui est malade, donc du coup, aujourd'hui, ils étaient aux urgences. Donc, vu que la maman aussi est en train de faire de grippe, donc le frère ne pouvait pas être là, donc il s'est excusé. Donc, voilà. Donc, nous, ben, nous sommes les hommes de Dieu, bien qu'ils ne sont pas avec nous. Je le dis par rapport à l'homme de Dieu, Roger Mobembo, parce que l'enseignement qu'il nous a donné, c'est ça, en fait, qui m'a inspiré d'avoir ces thèmes avec vous. Voici et voilà l'agneau. Nous allons expérimenter, en fait, ces deux écritures. La Bible dit, les pharisiens sont venus et ils voulaient, en fait, demander à Jean-Baptiste si c'est lui qui était le Christ. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu en train de baptiser. Alors il a dit, je ne suis pas le Christ, je ne suis même pas Élie. Je ne suis pas le prophète. Je suis en fait une voix. Une voix qui crie dans le désert. Nous avons dit que le désert en question, ce n'est pas le désert des Sahari. Quand la Bible dit que Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert, le désert en question, c'est Israël. Dieu regardait Israël et Dieu a vu qu'en Israël, il n'y avait pas d'eau. C'était un désert. Et qu'il fallait envoyer une voix qui annonce l'arrivée de la pluie. Parce que la seule chose qui peut abreuver le désert, c'est la pluie. Or, la pluie qui devait venir n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus. Or, cette pluie ne peut pas s'annoncer s'il n'y a pas de tonnerre. La pluie est annoncée par des éclairs et des tonnerres. Vous comprenez? Donc, pour que la pluie arrive, fallait qu'il y ait une voix. La voix en question qui préparait en fait l'arrivée du Seigneur, c'était Jean-Baptiste. Or, quand les tonnerres frappent au milieu du ciel, c'est avec colère, avec fracas, comme on dit, et avec lumière, pour annoncer l'arrivée de la pluie. Or, la pluie n'est rien d'autre que la sémence qui vient du ciel pour arroser la terre. Amen. Ça, vous voyez ça? Jésus étant la sémence, vous vous souvenez-vous de l'enseignement de notre frère Amiral, Jésus qui est le grain de Sénévé, vous voyez ça? Jésus étant la sémence, étant la pluie, il ne peut pas descendre sur les déserts, étant donné qu'il n'y a pas des éclairs, qu'il n'est rien d'autre qu'un père. Pourquoi? Parce qu'il doit annoncer avec colère, avec éclat. C'est pour cela que Dieu va envoyer Jean-Baptiste. Mais en réalité, Jean-Baptiste n'était pas Jean-Baptiste, c'était Élie. Pourquoi pas Moïse? Pourquoi seulement Élie? C'est parce que c'est Élie qui a le pouvoir de fermer le ciel et qui a le pouvoir d'ouvrir le ciel. Est-ce que vous voyez ça? Donc Élie devait venir pour ouvrir le ciel afin que la pluie tombe. Or, Élie veut dire le Père. C'est le Père qui doit ouvrir le ciel afin d'envoyer qui? Le Fils, qui n'est rien d'autre que la pluie, la sémence. Maintenant, regardez l'écriture que nous allons développer tout au long de ces deux ou trois dimanches. Je prends l'écriture 29, le verset 29. La Bible dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde. J'aime beaucoup les écritures. Bon, nous utilisons ces derniers temps la même clé, mais supportez-nous. Si c'est une clé qui nous aide, pourquoi pas? Pourquoi ne pas l'utiliser?
Voilà. Nous avons ces deux côtés. Jean a dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus quitte un endroit. Il quitte là où il était. Il venait dans le Jourdain, là où se trouvait Jean-Baptiste. Mais dans la révélation, nous comprenons que Jésus a quitté le ciel. Et il venait là où se trouvait le Père. Pourquoi? Parce que le Père était en train de faire un travail. Souvenez-vous d'Abraham. Ce n'est pas Isaac qui a construit l'autel. C'est le Père qui va construire l'autel et prendre Isaac et le mettre sur l'autel. Ce n'est pas Jésus qui a dit à Élie Jean-Baptiste de venir au fait au Jourdain. Mais c'est Élie le Père, le Jean-Baptiste, qui était dans les Jourdains en train de préparer tout un autel. Amen. Donc, les Jourdains n'est rien d'autre qu'un autel. Ça, vous le savez. Amen. Est-ce qu'il y a une écriture qui le soutient? Oui. Nous allons prendre l'écriture de Josué. La Bible dit, Josué, quand il entrait en Cana, avant que le peuple passe, il a d'abord pris le pied qui était dans les Jourdains, il l'a mis de l'autre côté, et il va prendre les pierres qui étaient dans les déserts, et il l'amène au milieu de Jourdain. Il a juste fait un monceau, comme la Bible l'appelle, monceau de pierres. En d'autres termes, il a formé l'autel, et qu'il fallait que l'animal soit présenté, mais l'animal n'a pas été présenté. C'est comme ça que le Jourdain, après que le peuple est passé, le Jourdain revient à sa position, mais l'autel est resté. Mais là, comme Jésus étant l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde, il doit monter sur l'autel et l'autel s'est trouvé dans le Jourdain. Donc, le Jourdain, c'est tout un autel. Là où l'animal doit être brûlé. Ce n'est pas ça notre enseignement. Alors, Jésus qui vient dans le Jourdain, il vient pour mourir. Remarquez une chose. Il quitte un endroit et il vient vers Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est parce que Jésus venait vers lui. Ou Jésus était près de lui. Très important. Donc tous ceux qui étaient là, ils ont vu Jésus faire un mouvement de quelque part vers Jean-Baptiste. Et ce trajet-là, la Bible l'appelle « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Dans tous les temps, depuis que Jésus a quitté un endroit pour venir chez Jean-Baptiste, Jean-Baptiste l'appelle, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Dans les trajectoires, c'était le « Voici ». L'animal qui doit être tué. Okay. Donc, depuis Adam, jusqu'ici à la croix, qui n'est rien d'autre que le Jourdain, c'était le temps de voici. C'était le temps de voici. Donc là, nous avons compris que depuis Adam, jusque dans le Jourdain, c'était le temps où le Seigneur venait. Il a quitté l'endroit et il venait. Il venait pour faire quoi? Pour mourir dans le Jourdain. Pourquoi j'ai dit Jourdain? Parce que c'est dans le Jourdain qu'il doit recevoir les baptêmes. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Or, les baptêmes, c'est quoi? Mourir et ressusciter. Donc, quand Jésus venait chez Jean-Baptiste, il venait pour mourir dans la révélation. Et la personne qui doit le tuer, c'était en fait Jean-Baptiste. En d'autres termes, Élie. En d'autres termes, le Père. C'est Élie, le Père, qui va prendre son fils et
le mettre dans l'eau. Il y a une écriture où Jean-Baptiste a posé une question. Je crois que ça se trouve dans le livre de Matthieu. On va le chercher rapidement, le baptême de Jésus. Mais dans le livre de Matthieu, regardez, il y a une question que Jean-Baptiste était en train de poser à Jésus. Je vais le prendre. Alors, je prends Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, je prends le verset 13. Regardez cette écriture. Matthieu chapitre 3, le verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Vous avez vu ça? C'est Jean qui dit à Jésus, c'est moi Jean qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est pas que moi je dois te baptiser. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous à quoi? Nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. C'est injuste que le Fils puisse baptiser le Père. J'aime ça. Mais c'est le Père qui baptise le Fils. Mais quand Jean a vu Jésus, je vous rappelle que Jean connaissait Jésus. Parce que Élisabeth et Marie, c'était des parentés. Mais Jean ne connaissait pas le Christ. J'aime ça. Jean connaissait Jésus, mais il ne connaissait pas le Christ. Parce que le Christ, c'est le Fils de Dieu. Or, Jean qui grandissait avec Jésus, il ne savait pas que Jésus était le Fils de Dieu. Mais quand l'appel, la vocation de Jean-Baptiste est venue, Dieu l'a amené à se concentrer dans ce qu'il devait faire. Dieu va maintenant lui dire, au fait, il y a un homme qui arrive après toi. Cet homme, toi, Jean-Baptiste, tu ne le connais pas. J'aime ça. Et même Jean-Baptiste dans Jean, là, il a dit, il y a un homme qui vient après moi que vous ne connaissez pas. Même en Israël, personne ne savait que Jésus était le Fils de Dieu avant son baptême. Amen. Même Jean-Baptiste ne savait pas. Mais Dieu avait donné un signe. Le signe, c'était quoi? Parmi tous les Israéliens, il y aura seulement un. Il viendra auprès de toi pour recevoir le baptême. Et le signe que tu verras, c'est l'Esprit de Dieu qui quitte le ciel, qui vient s'arrêter. En d'autres termes, c'est une voiture qui a quitté sa course et l'arrêt final, le terminus, c'est dans cette personne. Quand tu vas voir ça, c'est cet homme-là. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit et du Feu. Alors Jean-Baptiste ne connaissait pas le Christ, mais il connaissait Jésus. Alors il a vu Jésus. Oh, mais nous, on a déjà des informations, soi-disant, que tu es un enfant mystique. Un enfant qui est venu avec l'aide d'un ange. Donc tu es un prophète. Normalement, comme tu es puissant, c'est toi qui devais me baptiser. Jésus a dit non, laissons faire ou accomplir ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? C'est que Jésus, dans la peau de Jésus, c'est-à-dire le Fils, il ne peut pas baptiser Jean-Baptiste qui n'est rien d'autre qu'Élie. Or, Élie, c'est le Père. C'est le Père qui baptise le Fils. C'est comme ça que quand Jean-Baptiste a mis Jésus dans l'eau, quand Jésus est sorti, alors il a vu le signe descendre sur Jésus. C'est là-bas qu'il va confirmer, voilà, cet homme que je connaissais avant, mais ce n'est plus la même chose que je l'ai connu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je confirme, par celui qui m'a envoyé annoncer la voix de cet homme, que cet homme c'est lui au fait, le Fils de Dieu. Et il a dit, j'ai vu et j'ai témoigné. Donc il était prêt qu'on puisse lui couper la tête.
Il était rassuré que ce qu'il a vu, c'est juste. Alors là, Jésus va recevoir le baptême. En d'autres termes, il va mourir. Alors Jean-Baptiste voit bien tous ces moments ici. C'était le parcours de Jésus qui quittait l'endroit, qui vient jusqu'à la croix pour mourir. Donc tous ceux qui sont avant la croix, ils sont encore dans les voici. Tous les temps que Jésus a passé depuis qu'il était enfant, jusqu'au jour où il a reçu le baptême, tout le peuple ne savait pas qu'il était le Christ. Mais c'est après la croix, c'est là-bas. On dit, voilà, c'est lui au fait, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Regardez l'écriture, je prends le verset 35. Je rentre dans Jean. Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er. Regardez cette écriture avec nous. Le verset 37. Parce que je vous ai donné le verset 29 qui dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, regardez celui-ci qui est ici. C'est lui l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde. Vous êtes d'accord avec moi? Mais regardez le verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait. J'aime ça. Jésus ne venait pas, mais le Jésus qui passe. Un Jésus qui ne vient plus chez Jean-Baptiste, mais un Jésus qui passe. Et qu'est-ce qu'il dit? Voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Avant, il a dit voici, parce que Jésus venait vers lui pour mourir dans le Jourdain. Mais quand il est mort, ça dit baptême, et qu'il est ressuscité, il n'a plus besoin de Jean-Baptiste. En d'autres termes, Élie ne parlera plus dans Jean-Baptiste, mais Élie va parler maintenant dans la bouche du Fils. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de Jean-Baptiste, mais tous ceux qui veulent recevoir le salut, le Messie n'est plus dans les voici, mais il faut suivre maintenant les voilà. Amen. Je ne sais pas si vous voyez ça. Amen. Donc quand Jésus est en train de passer, la Bible dit, les disciples ont entendu ce que Jean a dit. Ils ont abandonné Jean. Toute personne qui écoute Jésus aujourd'hui abandonne Jean. Mais si tu es toujours attaché à Jean, alors qu'on t'a déjà montré Jésus, alors Actes chapitre 19 va t'arrêter. Parce que nous, c'est les Écritures qui nous arrêtent. Nous devons abandonner Jean parce que Jean a déjà dit, voilà, pas voici, mais voilà l'agneau des dieux qui ont des péchés. Il est loin. Il est en train de passer, il ne vient plus vers moi. Il ne va plus mourir pour la deuxième fois. Il est déjà mort, il est ressuscité. Voilà, il est en train de passer. Israël, jusqu'aujourd'hui, ils sont en train d'écouter Jean-Baptiste. Ils sont toujours avec Jean-Baptiste, c'est-à-dire, ils ont encore la loi du Père. Au lieu de suivre Jésus, ils n'ont pas suivi. Mais quand Jésus passait, la Bible dit, et deux disciples ont suivi Jésus, on lui a posé la question, où demeures-tu? La Bible dit, Jésus les a amenés là où ils demeuraient, et c'est là-bas qu'ils sont avec Jésus. Ces jours-là, la Bible dit, ils sont restés avec le Seigneur. Et parmi les deux disciples, c'est André qui est parti dire à Simon-Pierre, nous avons rencontré le Christ. J'aime ça. Donc, toute la journée, Jésus était en train d'expliquer à André que c'est moi le Christ. Donc, le temps que Jésus a passé dans le voilà, c'était le temps d'expliquer au peuple que je suis le Christ. Or, quand Jean-Baptiste a parlé, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ce n'est pas tout le monde. Ou ce n'est pas les disciples, même les disciples n'ont pas suivi le Seigneur.
Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore mort. Fallait attendre que le fils meure pour que les disciples puissent le suivre. C'est pour cela qu'il a dit, quand le grain de s'élever ne tombe, il ne peut pas donner au fer beaucoup de fruits. Mais quand il tombe et qu'il ressort, il sort avec beaucoup de fruits. Or, le jour où le Seigneur Jésus est venu à la croix, les disciples des gens n'ont pas suivi Jésus. Ils ont attendu qu'après, le lendemain, c'est un autre jour. Ce n'est que le lendemain, quand Jean a dit, allez, en fait, voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est alors que les disciples ont suivi Jésus. En d'autres termes, à partir d'aujourd'hui, nous qui sommes disciples, moi, Jean, pardon, André, nous n'allons plus écouter Jean-Baptiste. Je prends une autre écriture pour confirmer ce que je suis en train de dire. J'arrive quelque part et vous allez comprendre pourquoi nous avons pris cet enseignement. La Bible dit ceci. Je prends Ecclésiaste. C'est une écriture que nous connaissons. Ecclésiaste. Chapitre 11. Ecclésiaste chapitre 11. Voilà. Je prends le premier verset. La Bible dit ceci. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Vous avez vu ça? La question c'est de se dire, qui a jeté le pain? C'est un conseil qu'on est en train de donner. Qui a jeté le pain? Et c'est qui le pain? Nous savons tous que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis le pain qui vient du ciel. Si Jésus est le pain qui vient du ciel, donc la personne qui a jeté ce pain que nous appelons Jésus habite dans le ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Donc Jésus étant le pain, la personne qui l'a jeté habite dans le ciel. Or dans le ciel, il y a quel homme? C'est le Père. Or quand le Père a pris le pain qui était entre ses mains, a jeté sur la surface des eaux, afin de les retrouver après, comprenez que le Père ne mangeait pas jusqu'au jour où le Père est venu. Le Père était affamé. En d'autres termes, le Père ne pouvait pas sourire parce que le Père console le cœur. Je prends une autre écriture, je veux rajouter ça, je vais rentrer ici. Regardez, psaume, je crois, chapitre, j'espère que je vais le trouver. Alors, psaume chapitre, je crois, 104. Je vais le chercher. Alors, voilà. Psaume chapitre 104. Je prends le verset 15. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendit son visage. Et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Est-ce que vous avez vu ça? C'est le pain qui soutient le cœur de l'homme. Alors si l'homme prend son pain et le jette dans la surface des eaux, le pain va venir soutenir le cœur des eaux. Mais l'homme qui a jeté le pain n'a plus de soutien. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je suis en train de dire ceci. Jésus est le pain qui était entre les mains de son Père. Or, le pain qui est Jésus soutenait le cœur de l'homme qui est le Père. Vous voyez ça? Alors que Ecclésiaste nous a dit de jeter ce pain dans la surface des eaux. Dieu qui jette le pain dans la surface des eaux. Les eaux, selon Apocalypse, c'est le peuple, les nations et les langues. C'est-à-dire, nous, l'Église. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dieu qui a jeté le pain qui est au
milieu de nous, Dieu est resté sans pain. Dieu est resté sans pain. Dieu n'a plus de soutien. Il attend à ce que le pain revienne. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il a dit, jette ton pain, peut-être tu le retrouveras. Quand est-ce que Dieu va retrouver son pain? C'est lors de l'enlèvement. Amen. C'est vrai qu'il a retrouvé lors de l'enlèvement de notre Seigneur Jésus, mais comprenez que le Seigneur Jésus est déjà revenu sous forme de le Saint-Esprit et qui habite au milieu de l'Église. Amen. Alors quand est-ce que maintenant le Père va encore manger le pain? En d'autres termes, va consoler son cœur. En d'autres termes, il va recevoir le soutien. C'est quand le pain qui était jeté dans l'eau va rentrer. C'est-à-dire lors de l'enlèvement. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, tous les temps où le pain est en train de jouir avec les eaux, c'est ça le voilà. Pourquoi? Parce que le voici, depuis qu'il est mort et ressuscité, Israël n'a plus le pain. Israël est dans le voici. Au lieu d'écouter le voilà, ils écoutent jusqu'aujourd'hui Jean-Baptiste. Ils écoutent encore Moïse. Ils sont encore liés dans leurs préceptes. Ils sont encore dans les Jourdains. Ils ont oublié une chose. Que Josué qui avait traversé les Jourdains à sec, les pieds des sacrificateurs ont touché l'eau. Et l'eau s'est divisée. Un jour, Naaman, qui était, c'est Naaman, hein, c'est ça? Oui. Qui était malade, la Bible dit, Élisée lui a dit de plonger cette fois. Le Jourdain a pu nettoyer la lèpre de Naaman. Est-ce que vous voyez ça? Donc le Jourdain était puissant. Est-ce que c'était le Jourdain homme ou le Jourdain esprit? Maintenant Jésus qui entre dans le Jourdain et qui ressort, il dit tout pouvoir m'a été donné. Donc même le pouvoir du Jourdain, depuis ce jour-là, si vous allez aujourd'hui au Jourdain, si tu es malade, tu seras plus guéri. Parce que tout le pouvoir du Jourdain, il se trouve dans le corps de Jésus, qui n'est plus dans le voici, mais qui est dans le voilà. Si tu veux recevoir le salut, il faut aller vers le Seigneur Jésus. N'allez pas au Jourdain en Israël, parce que les Jourdains aujourd'hui portent maintenant une robe. Le Jourdain porte des sandales. Le Jourdain marche. Le Jourdain n'est plus rivière. Aujourd'hui, le Jourdain marche. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est sorti avec la puissance du Jourdain. Nous ne sommes plus dans le voici. Nous ne sommes pas le peuple de voici. Mais nous sommes le peuple de ceux qui voient Jésus face à face. Parce qu'il est dans le voilà. Nous demeurons avec lui. Mais remarquez une chose. La Bible dit le lendemain, Jésus est sorti. C'est André maintenant qui va aller prêcher. Il va aller prêcher qui? Pierre. Pour lui dire, nous avons rencontré Christ. Et le même lendemain, la Bible dit, Jésus a rencontré Philippe. Et c'est Philippe qui est parti dire à Nathanaël, nous avons rencontré le Messie. C'est lui qu'on a parlé dans le livre de Moïse. Deux prédications. Donc le lendemain, après que les deux disciples aient demeuré avec le Seigneur, après que Jésus ait expliqué qu'il est le Christ, le lendemain, les deux, il y a un André qui est parti prêcher, et Jésus qui a rencontré aussi Philippe, Philippe aussi a prêché, c'est les deux joueurs, frères, qui vont aller. Ici, nous marchons dans la prophétie de sept ans, semaine de Daniel. Vous allez remarquer que dans d'autres prédications, nous n'allons marcher que avec la montagne et la personne de l'Apocalypse. Mais ici, ces derniers temps, nous sommes en train de faire asseoir les 70 semaines de Daniel avec toutes les écritures de la Bible. C'est ce que le frère Roger a fait, le frère Roger Mombembo, et c'est ce que moi je continue à faire. Donc les deux soins, c'est en fait la prédication de André auprès de Pierre et la prédication de Philippe auprès de Nathanaël. Mais cela vient après que les deux disciples, en tout cas ce n'est pas Philippe mais l'autre disciple, avec André, et rester ensemble avec le Seigneur Jésus pour leur expliquer qu'il était qui? Le Christ. Ces temps-là, c'est le voilà. Le voilà. Parce que le voici,
c'est quand le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore mort. Il doit d'abord passer par la croix. La Bible dit, ce jour-là, Pilate va prendre Jésus et il va le présenter devant tout le monde. Il dit, voici l'homme. Vous voyez ça? Il dit, voici l'homme. Mais Israël, en regardant l'homme, comme il n'est pas encore mort, Pilate va dire, il est votre roi. Il dit, non, ce n'est pas notre roi. Qui voulez-vous que je puisse libérer? Cet homme, votre roi, ou Barnabas? Ils ont choisi Barnabas. Pourquoi? Parce que Jésus disait la vérité. Barnabas, un voleur, on préfère libérer Barnabas. C'est cette génération d'aujourd'hui. La génération dans laquelle, si tu annonces la vérité, on préfère Barnabas. On a été étonnés au Congo. Où on dit, bon voilà, nous allons voter. C'est lui qui va sortir, il va aller à l'élection. Voilà, il y a un qui sort, on dit, non, 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 pas lui, moi aussi je donne ma candidature. Tout ça pour être intercalé et amener les problèmes. Et ça va encore amener les problèmes. Il y a même un homme de Dieu qui a dit, mais où va le Congo? Ne soyez pas étonnés que ce pays-là continue toujours à avoir des guerres. Parce que quelque part, tous ceux qui annoncent la vérité ne peuvent pas submerger, monter. Il faut qu'il y ait des Barnabas, des criminels, des gens qui tuent, qui déchirent de femmes. De Barnabas. Qui vont tuer beaucoup de gens au Congo, ça c'est sûr. C'est grave. C'est ça la génération d'aujourd'hui. Ils ne vont pas accepter qu'un homme bon monte au Congo. Vous imaginez? Parce qu'ils savent très bien. Si aujourd'hui un homme bon monte au Congo, il va améliorer la situation. Et la vérité sortira. Ils ont peur de la vérité. Mais gloire soit rendue à Dieu. La vérité ne peut pas toujours être cachée. Un jour, la vérité sera connue. Amen. Et je suis sûr qu'en ce jour-là, quand la vérité sera là, nous allons annoncer que notre Dieu, enfin, il a libéré notre pays. Barabbas, pas Barnabas. Barabbas, merci. C'est Barabbas. Là, je prononce très bien. Donc, il préfère encore Barabbas, un criminel, mais il tue celui qui annonce la vérité. Mais n'ayez pas peur de celui qui tue le corps. Mais ayez peur de celui qui tue le corps et l'âme. Car l'ennemi, tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il veut juste tuer ton corps. Mais n'ayez pas peur. Même si on vous amène devant des tribunaux pour vous tuer, n'ayez pas peur. Continuez toujours à dire la vérité. Ne cachez pas la vérité. Disez toujours la vérité. Parce que c'est par la vérité que le royaume qui arrive va subsister. Amen. C'est quel royaume? Le royaume éternel. Amen. Il y a un royaume qui arrive, qui est très solide. C'est un royaume de ceux qui disent que la vérité. Même si ça dérange, mais nous allons toujours continuer à dire ça, frère. Nous dirons toujours la vérité. Jésus aujourd'hui est dans le voilà. Je vais maintenant descendre. Il y a beaucoup de choses. Il y a des grâces. Il y a de lumière. Voire même un niveau très élevé qui t'attend, mais qui ne se trouve pas dans ton voici. Ça se trouve dans ton voilà. Beaucoup d'hommes ne le voient de loin. Mais c'est à toi de quitter la position que tu as maintenant. La position de t'attacher à Jean-Baptiste, c'est de quitter cette position-là et aller vers le Seigneur. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que même Jean-Baptiste a dit, voilà l'agneau de Dieu, allez là-bas. Parce que si vous restez avec moi, je ne vous donnerai plus rien. Il y a des circonstances qui vous enseignent. Pour dire que la position que vous avez ici, normalement, ce n'est pas votre position. Ta position, c'est là-bas. Il faut écouter la voix de Jean-Baptiste. Des fois.
Il y a d'autres personnes qui sont accablées dans leur situation actuelle. Ils ne savent plus avancer. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas en fait le Seigneur qui passe. Il lui faut un Jean-Baptiste. Un Jean-Baptiste qui lui dit, en fait, moi, je n'ai plus rien. Voilà l'agneau. Parce que quand j'avais dit, voici, j'avais encore la parole parce qu'il est obligé de venir chez moi. Donc, si vous avez les saluts, recevez avec moi et le Seigneur. Mais alors qu'il a déjà reçu le baptême et qu'il est déjà parti, voilà, il est là-bas. Ne restez pas avec moi. Il y a une situation que tu passes maintenant. Cette situation devait déjà trouver une solution. Mais le problème avec toi, tu n'écoutes pas Jean-Baptiste. Or, le Jean-Baptiste qui parle dans ton cœur, c'est pour changer ta situation. Tu ne pouvais pas être ce que tu es maintenant, bien-aimé. Même ta famille. Tout le monde a quelque chose de positif. Il suffit seulement d'être prudent et atteindre ce niveau. Ce qui est sous sur la terre, c'est toute personne qui n'a pas de vision. Si tu veux échouer dans ta vie, n'aie pas de vision. Quand je parle de vision, ici, je ne parle pas de songe. Je parle de vision qui est notre Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous disons dans nos églises, nous n'avons pas de visionnaire. Si vous trouvez une église où on dit, où est votre visionnaire? C'est le pasteur qui est assis là-bas. Comprenez que c'est une église d'hommes. Dans l'église de Christ, le visionnaire, c'est notre Seigneur Jésus. Or, notre vision doit être focalisée sur le Seigneur Jésus. La vision, merci. La vision d'Étienne. La vision d'Étienne, il voyait le Seigneur Jésus à la droite du Père. Donc, même le pierre qui le touchait, il ne sentait plus rien parce qu'il avait une vision. Si vous avez une vision, vous voulez réellement aller au ciel. Vous voulez réellement entrer dans ce royaume éternel. Frère, ne regardez pas tout ce qui est tout autour de vous. Ma soeur, ne considère pas ce que tu as maintenant. Parce que ce que Dieu est en train de réserver pour toi est plus grand. Et en plus, est éternel. Amen. C'est ça qui fait la différence. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il y a beaucoup qui oublient ça. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Donc toute personne qui cherche le royaume des cieux, c'est injuste. Parce que tu cherches la justice des dieux. Alors, tout, la Bible dit, tout ce qui vient après, Dieu te le donne. Amen. Dieu te le donne. Tu veux le travail? Dieu va te donner parce que tu as cherché d'abord la justice de Dieu. Son royaume. C'est ça notre vision. Nous n'avons pas de vision sur terre. Nos prédications ne sont pas liées aux choses de la terre. Nos prédications sont liées auprès de celui qui est dans le voilà. Amen. J'ai vu aujourd'hui, mais ma tête, mes yeux, mes pensées sont dans le voilà. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est mon voici. C'est que Dieu m'a donné. Mais ce qui est dans le futur, c'est là-bas que se trouvent mes pensées. Je suis en train de me battre pour atteindre le voilà de Dieu. C'est pour cela que je ne considère pas tout ce qui est tout autour de moi. Je dis, Seigneur, ce que tu me donnes, merci. Mais ma prière, que je termine la course. Amen. C'est ce que Paul disait. On peut toujours courir, oui, mais la course n'est pas encore terminée, frère. La course n'est pas encore terminée. On n'a pas encore atteint le voilà de Dieu. Quand je veux atteindre ce niveau, c'est alors que je peux dire comme Paul, je peux maintenant me reposer. Le repos éternel de Dieu. Oh bien-aimé, tout homme, toute personne, Dieu l'a doté des talents. Dieu vous a donné des grâces.
mettez ces grâces au service du Seigneur, afin de rechercher ce qui est le royaume et sa justice. C'est alors que Dieu, qui est le Dieu de gloire, il était en train de passer pour Israël, mais pour nous, il ne passe pas. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est chez nous, il demeure chez nous. S'il est passé, il passait par rapport à Jean-Baptiste. Il passait par rapport à Israël. C'est pour cela, juste qu'aujourd'hui, Israël ne voit pas le Seigneur, parce que le Seigneur est passé. Mais nous, par contre, il n'est pas passé. Parce qu'il y a une écriture qui dit que Jésus passait, mais arrivait devant un sycomore. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Amen. Arrivé devant un sycomore, il voit Zachée qui était sur l'arbre. Et il s'arrête. Il s'arrête. Et il dit, Zachée, je passais. Mais quand je vis l'arbre, il y a l'onction de ce que j'avais dans l'éternité. Je l'ai ressenti sur cet arbre parce que tu es au-dessus. J'aime Jésus. Jésus est attiré par vous. Est-ce que vous voyez ça? Ce que vous avez à l'intérieur, c'est ça qui attire Jésus. En fait, Jésus nous a laissé un gage. Vous savez ce qu'on appelle gage. Gage, j'aime ça plutôt à Lingala. Simela na zoya. C'est comme ça qu'on traduit le gage à Lingala. Simela na zoya. Un gage. Si la personne vous a laissé quelque chose de meilleur, vouloir ou pas, cette personne reviendra. Or, Jésus nous a laissé quelque chose de grand. C'est son esprit. Le Père nous a laissé quelque chose de grand. C'est son pain. Il a faim. Il doit manger. Pour manger, il a besoin de reprendre son pain. Donc, les gages en question, il viendra les chercher. Amen. Judas avait laissé un gage auprès de la femme. Et il a tout fait pour retrouver cela. Et il l'a retrouvé. L'esprit que nous avons, la parole, l'enseignement que nous avons, c'est le gage que Dieu nous a donné, bien-aimé. Les intelligents de ce monde ont voulu avoir cet enseignement. Comprendre, sonder. Entrer dans les détails, investir, faire des investigations, mais ils n'ont pas trouvé la réponse. Ils n'ont pas trouvé. Mais Dieu nous accorde la grâce d'avoir cet enseignement. C'est ça les gages que Dieu viendra coûte que coûte pour nous chercher. Zachée était là sur le sycomore. Jésus, la Bible dit, il s'est arrêté devant l'arbre, là où se trouvait Zachée. Oh, si seulement il y a quelqu'un qui peut faire arrêter Jésus. Dire, oh Seigneur, ne passe pas comme ça. Entre sous mon toit. Jésus a dit, Zachée, c'est aujourd'hui que je vais manger chez toi. Donc Jésus a quitté l'éternité. Depuis sa marche, jusque là où se trouvaient les sycomores, c'était le voici. Il marchait avec tout le monde, il y avait la foule. Mais il ne voulait pas entrer dans la maison de tout le monde. Il cherchait un homme. Et cet homme doit être sur le sycomore. Et c'est comme ça qu'il va s'arrêter pour qu'il puisse manger dans la maison des Zachée. Aujourd'hui, Jésus mange avec nous. Il est chez nous. Quand j'ai dit nous et que j'ai dit la maison, ne vois pas quatre murs. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit. Amen. Dans ton corps, le Seigneur a accepté d'habiter. Amen. Et il habite, il va passer toute la journée avec toi. Jusqu'à ce qu'il va te faire entrer auprès du Père. C'est alors qu'il va envoyer André et Philippe au prêcher. Mais aujourd'hui, il demeure avec nous. Israël a raté cette grâce. C'est pour ça, quand vous écoutez ces enseignements, quand
vous voyez que nous sommes en train de prêcher ici avec beaucoup de simplicité. Ne prenez pas la grâce des dieux vaine. Ce n'est pas parce que vous avez vu comment est-ce que le Seigneur danse. Ce n'est pas parce que vous avez vu comment est-ce que le Seigneur sourit. Ce n'est pas parce que vous avez vu comment est-ce que Dieu est faible. Israël n'a pas vu la faiblesse de Dieu. Il n'a vu que la position très autoritaire de notre Dieu. Mais nous, par contre, nous voyons la faiblesse de Dieu. Mais ce n'est pas parce que nous avons vu la faiblesse de Dieu qu'on doit jouer avec la grâce. Non. La grâce, c'est pour nous. Et comprenez que cette grâce va prendre fin bientôt. Saisissez l'opportunité. Jésus est maintenant avec nous. Il n'est plus dans le voici, mais il est maintenant avec nous. Pour Israël, il est dans le voilà. Il passe à côté. Il passe outre. Mais nous, nous le voyons. Nous qui sommes des disciples. Parce que Jésus qui marchait, il a tourné pour regarder les disciples et leur poser, que voulez-vous? C'est la même question que le Seigneur est en train de vous poser aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur Jésus puisse faire pour vous? Vous voulez demeurer avec lui? Alors posez-lui toutes les questions de vos vies et changez votre mentalité. Et il va vous expliquer qu'il est réellement le Christ. Si seulement vous acceptez réellement d'abandonner tout ce qui est votre voici, afin de vous recommander à celui qui est le voilà. Et il va changer notre vie. Nous sommes debout là où nous sommes. Nous allons prier. Yesu ndeko namboli, ingo, yo, olingi nga mingi, yo, kufela kinga, yo, talisi nga njela, yemba. Alléluia. Alléluia.